Bonjour à tous. Hey, bonjour. Nous sommes dans la version longue de cette vidéo. Je l'avais promis. On est dans la deuxième version, la version alternative, où là, bah, on a plus le temps. On a plus le temps. Voilà, on peut se caresser le ventre. Oh, voilà, on peut regarder. Ouais, bien sûr, bien sûr. Lucas, t'es pas charismatique. Non, j'imagine. J'imagine bien. D'ailleurs, je vois rien, donc ça. Tu veux pas voir la vidéo? T'as vu le décor? Non, encore, toi, t'as pas vu. Waouh. Ah ouais, putain, c'est stylé. Ah ouais. On est dans la version, voilà, qui est plus longue. Je sais pas combien de temps à la faire, mais on prend notre temps. Il y a 7 jeux dans cette vidéo. C'est un Mario Party. Le principe, c'est très simple. Chaque jeu, il y a une pièce d'or à gagner pour le meilleur. Il n'y a pas de classement. Il y a des jeux qui sont des vrais concepts de Mario Party. Il y a des jeux qu'on a inventés et il y a des jeux qu'on a trouvés sur Internet. On a compilé tout ça. Celui qui a le plus de pièces d'or à la fin de la vidéo gagne. Bonne vidéo à tous. Et c'est Mario Party. Oh oui. Tu m'as dit que tu voulais faire un jeu de mots. Tu veux le faire toi? Tu veux le refaire? Ouais. Bah, c'est parti, Mario. Ouais. Non, on a dit qu'on faisait Mario Party. Ça, c'est pour la version longue. Ça, c'est 20 versions longues. Ça, c'est version longue. Ça, les gars, pas. C'est parti. Le but du jeu, c'est rattraper un maximum de ballons. Les noirs sont des malus, les dorés sont des bonus. Ça part. C'est parti. Oh là là. Les gars, allez, allez. Oui, oh non. Oui, je crois. J'espère l'avoir. Oui. Et Fred, dégage de là. Attends, attends, de là. Là-bas, là-bas. Oh. Oui. Oh non. Oh, oh non. Il y en a ici. Oh. Ici ça, voilà, c'est trop dur. C'est trop dur. Oh, oui, ou pas? Oh là, tu l'as mis directement. Eh, c'est un vrai sport. Hein. C'est trop dur, Pierre, je suis essoufflé. Faut le mettre au JO, ça. Je vois rien, là. Je vois rien. Ah. Bien joué. Waouh, waouh, waouh. Vas-y, je bouge un peu, là. Pierre, il était à genoux. Adoré, adoré. Non, dégagez. Ah, non, dégagez. Adoré, adoré. Ça joue des coudes, monsieur l'arbitre. Ça joue des coudes. Je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas. Si, si, je crois que j'en ai pas. Si, Pierre, si, Pierre, t'as un doré, je crois. Zéro. Oui. Oh, 4. Oh, deux. Yeah. Égalité, Lucas. J'ai adoré comment je vois sur le champ du compte. T'as adoré. Oh, c'est cette première version longue. Pour la version longue, elle est très bien. 3 plus 3 plus 3. Attends. 9 points, c'est lui qui a la pièce d'or. Oh, la pièce d'or. Bowser, pièce d'or. Ah, bravo, Morgane. Tu fais une petite danse de la victoire de Bowser. C'est nous. Et non, non, nous, on fait les tristes. Tu sais, ils font ça à chaque fois. Oh, it's me, Mario. It's me, Mario. Oh, moi, le jeu n'est pas connu. Zéro, je suis deg. Mais attends, mais à un moment donné, attends, il y avait un ballon doré qui est rentré dans ton. C'est vrai? Ouais. Comment tu t'arrives à voir ça? Mais en fait, je l'ai vu, bah, il était devant moi et Joe. En fait, on n'a pas un. Balance. On n'a pas un pif devant les yeux, en fait. Nous. Ah oui, ah oui, ouais. Tu fais un test PCR à Yoshi, c'est un délire. Hein. Tu prends vraiment un bâton. Mais toi, j'avoue, le pot, tu vas passer une sale journée, Lucas Studio. Ton nez, il a des lunettes. C'est parti, jeu suivant. Allez, go! Épreuve suivante, chacun son tour, le premier qui met la balle dans cette tour magique remporte l'épreuve. Honneur à celui qui a la pièce. Oh, c'est possible, les gars, c'est possible. En fait, Yoshi, le problème, c'est qu'il y croit pas assez, je trouve. Ah, tiens, alors, je vais mettre une bonne patate là. Oh. Ok, d'accord. On va pas faire écouler la tour là. Non, elle est fixée. Oh là là, c'est dommage. Moi, je le sens là pour Yoshi. En fait, le problème, c'est que. Oh, je le sens pour Yoshi. Le problème, c'est que Bowser, il a un mauvais fond, je trouve. Ah, bah, alors oui, de ouf. Oh là là! C'était si loin. Ah, pas mal ça, frère. Putain, je peux refaire, attends. Ah, t'es Luigi? Non, bah non, c'est à Bowser. D'accord. Celle-là, jamais, elle est toute simple. Oh, oui. Non! C'est un des deux qui mérite. Putain, c'est parce qu'elle est pas alignée. Y'a pas de mérite, mon gars, c'est Mario, c'est comme ça. Oh, il a déjà. Comment vous faites? C'est quoi votre technique? En fait, tu prends des rendez-vous clients, après tu fais des devis et après tu fais la plombe du mec, quoi. Non, non, pas vraiment. Pour ça, ah, d'accord. Luigi, c'est toujours préféré à Luigi d'ailleurs. Oh non, mais c'est pas loin. Elles savent que ça peut jouer sur toute la journée. Tout le retard de la journée peut être. Oh non. Non, c'est pas que la journée. Oh, j'ai le seum. Oh là là. Il est en train de dominer le game. Mais c'est Bowser. Victoire de Bowser. Mais c'est le boss final. Nouvelle pièce d'or pour Bowser. On passe au jeu suivant. C'est la danse. Oh non. It's me, Mario. It's me, Mario. Mes personnages préférés. Épreuve suivante. Le premier qui finit le parcours entier gagne. À chaque fois que vous finissez une étape, vous pétez le ballon du bas. Le premier qui pète ses 4 ballons gagne. Arrête de mettre les doigts en tombé, c'est pas poli. Là. Désolé. Première épreuve, c'est avec un rebond dans ce gobelet. Ici, vous faites le bottle flip pour faire un tour. Ensuite, rebond ici. Ok. Et ensuite, vous prenez la gourde up, vous ouvrez, vous remettez où vous voulez à peu près au milieu, et c'est un rebond et vous devez mettre la balle dedans, c'est oh oui. Très compliqué. Mais attends, mais les idées viennent d'où? Ça, des États-Unis. Non, des États-Unis. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Arrête de toucher le ventre. J'ai la dalle, franchement. Ça se voit comment tu le compresses. Ouais. C'est parti. Comment on commence là? Ouais. Oh, c'est terrible. Ok, ok, ok.
Oh, j'avais réussi. J'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout. Oh, yes. Non, le verre, c'est terrible. J'arrive pas à péter les ballons. Oh, tu l'es. Oui. Ah. Yes. Non. Non. Oh. Allez. Non. Mamma mia. Ouais. Non. Let's go. Ah, c'est Lucas. Il a déjà fait. Ah, il a tout fini. Bravo, Lucas. Je suis mort, moi. C'est-à-dire que là, physiquement, je peux même pas me déshydrater. M'hydrater, non, non. Tu peux pas t'hydrater. Ah, ouais. Ça, c'est typiquement une bonne version. Je suis essoufflé à chaque épreuve, je suis essoufflé. Hein. Bon, Lucas, quelle étoile. Merci, messieurs, quel bonheur. Non, c'est pas des étoiles. On a mis des pièces d'or. L'unité, c'est la pièce d'or. Ah, pardon. Ça vaut 3 bitcoins, la pièce d'or. Première pièce d'or pour Lucas. On l'applaudit avec des gants de satin. Et prochainement. Et vous l'avez remarqué subtilement, dans ce décor, il y a des gourdes. R-Up vous en parle. C'est pas subtil, en fait. Si, c'est subtil. C'est subtil. Je vous en parle tout de suite. Merci à R-Up de nous avoir aidé à créer tout ce décor, c'est incroyable. Vous connaissez déjà, ce sont des gourdes, mais bien plus que ça, c'est un produit révolutionnaire qui vous permet d'aromatiser votre eau. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Grâce au pod que vous placez juste ici au niveau de la paille, vous allez pouvoir sentir les arômes grâce au capteur olfactif que vous avez dans la bouche. Et là, ça sent déjà la noix de coco. Il y en a pour tous les goûts, myrtille, café frappé, pamplemousse, noix de coco, évidemment, et plein d'autres. C'est une excellente alternative quand vous aimez bien avoir un petit goût au lieu d'avoir juste de l'eau, et comme ça, vous ne consommez pas de soda. Vous avez le choix entre plusieurs gourdes en plastique réutilisable ou même en acier inoxydable. Avec le code Pierre, vous avez jusqu'au 8 juin pour profiter de 10% de réduction sur tout le site. Le lien en description du site pour aller checker ça. N'hésitez pas. Merci à eux de rendre tout ça possible et on passe à l'épreuve suivante. Here we go. Jeu suivant, messieurs, le premier qui coupe le fil de son ballon gagne l'épreuve en faisant glisser les ciseaux au sol. Ça, j'ai inventé ça dans ma cuisine, on a la vidéo, on mettra la vidéo. Et elle est triste d'ailleurs, c'est la vidéo la plus triste de ma vie, je crois. Donc imaginons que là, c'est le fil d'un ballon à l'hélium. C'est un verso long, on peut tout dire. Ouais. J'ai un peu trop bu hier, j'ai un peu mal au crâne ce matin. Oui, je sais ça. Mais j'ai gagné les deux premières épreuves. Et Bowser, il est alcoolique, hein, dans la vie. Un peu. Le but de ce jeu, c'est très simple. Vous allez lancer les ciseaux en position ouverte. Quand ils vont arriver sur ce fil que vous avez en face de vous, ça va couper et ça va faire voler le ballon. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Oh, oh ouais, d'accord, j'ai capté. Ah ouais, c'est un vrai par contre. Oh, j'adore. Ah oui, ça se referme. Ça va aussi loin là. Il se referme pas, tu n'as pas assez de force, je pense. Moi, il se referme jamais. En fait, tu n'as pas assez de charisme. Je suis désolé. Oh, ça, c'est pas dans le vrai Mario Party, je peux confirmer. Hein. Ok, ça va, les gars, allez pour Pierre Cross. Ah, non, je suis nul à chier. J'ai l'impression d'être Yoshi. Bravo, il est trop fort, Bowser, c'est vraiment plus fort. Il est en solo, il est en solo. Il est trop fort. J'ai le tour des nouilles. C'est quoi ça? Attends, stop. Je faisais la basse. Je sais pas pourquoi. C'est pas je me disais, on pouvait peut-être faire un groupe de musique et tu seras la chanteuse, tu seras Yoshi. Oh, on parle de Yoshi. C'est très très fort ce que je propose. Tu veux pas trouver une position qui. Non, j'arrive pas. Ouais. Me tombera sur la tête toute la vidéo, c'est pas grave. J'ai une vanne pour la version longue. Donc on laisse l'amorce dans la version courte, mais la vanne sera dans la version longue. Oh là là. Ouais. Est-ce que vous avez bien réglé les caméras? Vous avez bien réglé les ciseaux? Ah ouais, mais du coup, il faut la règle technique. Wow, c'est la technique. C'est des ISO, ça va. Même sur iPhone, il y a des ISO maintenant, ça va. Ils vont rigoler. Les gars, Pierre, t'es agressé sur une vanne qui a moyennement marché. Non, mais ça va, elle est bien, non? On passe au jeu suivant. Allez, sur le relax. Et tu m'expliques comment t'as réussi à faire un jeu avec ça? Je vous explique. Vu du jeu, on va taper chacun notre tour très fort sur ce. C'est pas vrai. Si, si. Mais on va s'enculer. Mais c'est un malade ce gars, il bosse dans le bâtiment. Il a des gants. Mais t'as des gants en plus. J'ai des gants, vas-y, tu sais quoi, je fais sans gants. Aïe. Celui qui veut, quand il veut, quand c'est son tour, il enlève le rouleau. Si le suivant casse l'œuf, il est éliminé. Fin du jeu, fin de la règle? Ouais. Pierre, parce que juste un truc. Ouais. Aucun rapport avec Mario, ça. Non, juste entre nous, parce qu'il n'y a même pas un truc de Mario à l'intérieur. Ah si, il s'appelle Mario. Parce que tu sais, Yoshi est dans un œuf à la base. Bah, c'est moi qui l'ai pondu, ça. Ah oui, c'est ça, ok. Pardon. Est-ce qu'on tourne dans le sens des aiguilles comme dans une horloge? On fait dans le sens des aiguilles de l'horloge. Et par principe, on a pris des œufs pourris, on joue pas avec la nourriture, je le rappelle. 3, 2, 1. Morgane, quand tu veux. Non. Non, mais t'es bâtard, t'as droit de faire ça. T'es un bâtard. Vas-y. En fait, c'est un jeu, en fait, tu supprimes ton adversaire après, en fait. Mais non, tu peux arrêter, toi.
Ah ok. Moi je pensais que j'étais obligé de le faire. Ah bah non. Bah là il est con. Bah non. Mais non mais je te jure moi en fait c'est pour ça que j'ai pas compris les règles. Ah bah là c'est pas de jeu quoi du coup. Non parce que j'étais obligé de le faire. Je suis pas rigolé, ça me coupe le nez avec la moustache. En fait je te jure je me suis dit en fait je suis obligé de le perdre. Mais je non. Dit, j'ai les règles. Mais il a quand même une patate, c'est du merde. Bah ouais en fait mais moi je me suis dit ça. Fred éliminé. Ah bah tout de suite. Ah ouais c'était vraiment un très très bon jeu. T'as vu comment j'ai T'as vu Fred comment je t'ai mis à l'amende. T'as vu comment je t'ai mis à l'amende. Ouais ça va, t'es fort. Attention. Pourquoi tu fais ça à moi? Bowser, finis-toi. Ah, la honte. Ta carrière est terminée, mon pote. Sans moi, ça. Ta carrière, elle est terminée. Sans moi, ça, frérot. Ça sent pourri, ça. Oh, il est pourri. Allez, la main va en vacances. Ciao, Bowser, t'es fini. Maintenant, c'est toi contre moi. Ok, ça marche. 3, 2, 1, let's go! Ah là! Il s'est passé quoi là? Ah là! Il s'est passé quoi là? J'ai pété! Étoile pour Yoshi! Here we go! Et c'est quoi? Je vais garder un peu chez moi! Here we go! Here we go! Here we go! Faut souffler sur la cartouche! Here we go! Here we go! Here we go! T'es content ou pas? Oh là là! Et point suivante! Messieurs, Pierre Cross, un tir par saut, on prend la balle, on fait ça, si on le met pas, c'est fini. Sinon, on continue. Celui qui va le... Vas-y, pardon. Non. Est-ce que ça peut rebondir au fond du truc et ressortir ou pas? Non, on avait de l'eau. Est-ce que c'est un peu humiliant de s'arrêter là, là? Ouais, bien sûr. Okay, c'est possible. C'est dommage que moi, c'est mes échecs qui me servent à avancer, donc là, si l'échec me stoppe, c'est fini. C'est une belle leçon de vie qu'il nous offre au Bowser. Merci. Bowser, t'as un château, t'as un super hélicoptère. J'ai un déguisement de la soupe aux choux. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est la version longue, on pouvait la faire. Ouais, la version longue, on pouvait la faire. 3, 2, 1, let's go. Allez, bah, je sais pas si c'est pour lui. Oh, oui. Oh, il est bon. Ça, ça. Oh, non, c'est dur. Terminé. Il est déjà dur celui-là. Lucas, vas-y, s'il te plaît. 2, vas-y, Lucas. Tu sors. Non. Il a mis la pression en entendant ça. J'aimerais trop gagner sur cette épreuve. Lucas, il supporte attends. Pas du tout la pression. Attends, c'est que la pression. Attention, c'est parti. J'y vais. Go. Fini. Oh, il s'approche de ouf. Ah, le coup. Non, attends, le rythme, Pierre. Oh, il a le droit le coup de mire. Non. Ah, c'est déjà pas mal, hein, pour l'instant, c'est premier. Franchement, Pierre, je suis allé plus vite. Je crois que j'ai perdu, moi, en tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai perdu. Oh, le Bowser, il a un bon style, hein. Franchement, ton rythme pack, il est pas mal. Arrête, Pierre, tu me dis. Vas-y, c'est quand tu veux. C'est 3, c'est 2, c'est 1, c'est go. Oui. Oui. C'est bon ça. Oui. Oh là là. Oui. Oh là là. Ouais. Oh voilà. Je suis content pour toi. C'est mon pote, merci mon pote. J'ai toujours cru en toi. C'est quoi, je te laisse la princesse? C'est vrai? Ouais. Oh, je vais lui faire du sale. Épreuve suivante. Pardon. Version longue, attention, petite info de monteur que je vous donne. Dans la version courte, il y a un nuage dans le coin. Là, il n'y est pas encore. Regardez, il va apparaître. Ah ouais, cache... Oh la vache! Non, mais attends, il est vachement bien fait, mais qui fait ça? Il est bien fait, c'est le monteur. C'est loyal, ça. Vous avez la licence Adobe Photoshop? C'est Shigeru Miyamoto. C'est lui le monteur de la vidéo. Ouais. Wow, ah, pas mal. Ouais. Épreuve suivante, très simple. On a un bonbon. Le premier qui a la fleur qui touche son visage parce qu'il a fini tout le bonbon gagne l'épreuve. Alors? Putain, j'étais tombé. Je crois que sans les mains, c'est impossible. Faut le tenir au moins. Non putain, c'est impossible, j'y arrive pas. Non. Tu me fais rire, mon dieu. J'ai gagné mon grand gagne. Non. C'est trop habile. Oui, je gagne mon grand gagne. Il a le diabète en direct. Ça va, Bowser? J'ai fini. En fait, il me faisait rire à côté avec ses bruits de bouche, en fait. Il me faisait rire. S'il n'y a pas de musique à cette épreuve, on est ridicule. Ah, c'est ridicule. Moi, comment il fait, Morgan? C'est un truc de fou. Il gagne tout. Trop fort, c'est incroyable, ce mec. Il a encore une pièce d'or. Mais ça, c'est les méchants, ça. Ouais. Souvent, les méchants, c'est les plus riches. On fait la danse de la défaite. Oh, maman mia. Épreuve suivante. Mes monstres et méchants préférés. Oui. Vous allez devoir allonger la canette. Le premier qui souffle sur la canette pour l'amener jusqu'à sa poubelle. J'ai la laine de pierre juste à côté de moi. Je suis. Oh, j'ai aucun souffle. C'est technique, ça, moi, dans ma tête, c'était comme ça. Là. On allonge les canettes au souffle uniquement de la laine. On doit arriver dans notre pot de fleurs magique. Mais Pierre, ouais. Je suis désolé de te couper. Mais si la canette tombe à terre. Si la canette tombe à terre, c'est très simple, Bowser. Tu la ramasses et tu recommences au tout début de l'épreuve. Au tout début. Y compris. Pourquoi vous parlez comme des débiles? Y compris si tout à la fin vous soufflez trop fort et que ça tombe pas dans le pot. Non. C'est la métaphore de la vie. Parfois on croit être arrivé et des fois on n'est pas. On croyait qu'on était arrivé et qu'on n'était pas arrivé. Attention à vos canettes.
Ok, trop dur. Ah là là, trop dur. Ok, Pierre, c'est trop dur. Oh. Pierre, il s'est grave entraîné, Pierre. Aïe. Ouais. Oh non. Ah yes, c'est Simon Morgan, je crois. Oh non. Let's go. Ça fait jouer à rien, je crois. Ça fait peur, t'es remonté, j'ai vu là, ça a fait un peu peur. On voit que c'est une fausse moustache. Ouais. Remets. Oh non. Waouh. Victoire de Lucas, 1200. Oh non. Mamma mia, j'ai la dalle. Charal. On a 0 pièce d'or. 0-0, c'est terrible. Est-ce qu'on passerait pas, messieurs, dames? Allez, preuve suivante. Here we go. Ouais. Here we go. On a un plan TikTok, les gars. On fait comme ça, après, si tu veux. Ah oui, on le fait maintenant. 1, 2, 3. Droite. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Vous êtes droit. C'est un TikTok. Gauche. 36 bientôt le 14 juillet. C'est un TikTok, ça? Ouais, c'est un TikTok. C'est nul, non? Comme TikTok. Ouais, c'est Flav qui décide de ce qu'il fait. Non, tu pourrais le prendre pour mon Skyblog. Ouais, trop bien. Épreuve suivante. C'est très simple. C'est une course. Ne m'agresse pas, enfin. Vous connaissez ces petits bonhommes? Ça va? C'est vrai qu'il est. T'as cru que j'allais raqueter tes pièces d'or ou quoi? Je vais mettre un coup. Vous connaissez ces petits bonhommes qui descendent les vitres? Bah oui, on a tous une force. Ils ont un nom particulier. C'est pas les petits bonhommes qui descendent les vitres? Si, c'est ça. On est dans une épreuve de force. On a trois petits bonhommes dans les mains. Rouge, jaune, violet, vert. Le bonhomme qui reste le plus longtemps sur ce mur fait gagner son capitaine d'équipe. Non, c'est incroyable. Ça. Oh, c'est ça. Attention, 3, 2, 1, let's go. Oh non. Allez, voilà. Oh non. Oh, ils sont sur le vert. Laisse-moi le vert. Allez, allez, allez. Laisse-moi le vert. Ah, le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Il reste. Il est mort. Allez. T'es mal lui. C'est bon, il a gagné. Il a gagné. Ce joueur, il est imbattable, là. Non, lui, il coupe pas, lui. Non, lui, comme ça. Oh. Allez, tourne. Il le fait. Allez, à l'échec. À l'échec. Attends. Tiens, ton pied. C'est fini. Crie un peu. Moi, en fait, je vais partir demain. Il est encore là, le mien. C'est ça, le travail d'équipe. Pierre, pourquoi t'es pas content pour moi? Pourquoi t'as crié aussi fort? Mais parce que ça a marché. Autant donné sur une vidéo. En vrai, t'aurais jamais tenu autant sur un mur, toi. Jamais. Qui c'est qui a gagné? Il est là. A priori, encore une pièce d'or pour Morgane. Bravo, Morgane. Il ne s'arrêtera jamais. On passe à l'épreuve suivante. Dorian. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît. On n'ose pas. Franchement, revenez, hein, y a rien. Ok. On n'ose pas. Ah oui. Ah, c'est dommage, c'est off. Parce que moi, j'aime bien ça. Non, franchement, mais pour la version. Ok. Épreuve suivante, inspirée de Mario Party, mais c'est pas. Oh, tu sais que c'est un peu sexy, je trouve. Non, c'est pas sexy. Si, c'est un peu sexy quand ça tombe comme quand ça. Ça l'enlève, là. C'est du XXL, ouais. Du M. On va avoir un compte à rebours, ça va faire tut. Quand ça prend la photo, on doit être le mieux caché possible derrière les ombres. Oh. Est-ce que t'es au courant qu'on a un sac à dos, on a un zen de 20 mètres, on a des. Et j'ai un nez surtout qui mesure 15 mètres. Bien sûr. Toi, j'aime. Bien sûr. Celui qui est le plus visible par la photo, on a un arbitre derrière qui nous dit qui est le plus visible, il dégage. Oh. Et l'arbitre, c'est Wario, on précise. Il prend son ombre. Si on dit Lucas, c'est toi le plus visible, tu prends ton ombre et tu dégages. Toi, tu lui ressembles, mais pas trop, t'étais Mario au premier regard, quoi. Oh. Franchement. Putain, franchement. Elle est pas mal. Franchement, hein. Je soupèse et je repose mon nez. Attention, c'est parti. Ça pue le gêne. Cachez-vous. On peut se mettre à deux derrière un truc. C'est qui? Attends, je vous vois pas, vous voyez pas. Je suis désolé, papa, maman, ouais. Je crois que Bowser, il est pas mal. Oh, Bowser! Yes! C'est moi? Ah, ah, yes. Ouais. Aïe, c'est dégagé, c'est dégagé. Ah, cool, j'envoie un mail envoyé en plus, ça m'arrange. Allez, on y va, nouvelle photo! Oh non! C'est gagné en Bretagne. Oh Yoshi! Yes! C'est moi? Non! Pierre, il y en a un de nous qui va remporter son premier point. Oh oui. Allez Yoshi, ça dégage. Allez, tac! Fin de carrière, vous savez quoi? Je retourne dans mon château. Allez, adios les bouts. Tout est nouvelle photo, finale! Finale! Oh là là! J'ai une crampe? Non. C'est moi le plus visible? J'étais stratégique, Pierre. J'ai tourné la casquette. C'est un peu Kaira de. Je me suis dit, tu Kaira vois. Des Mario Kart. Je me suis dit, un peu, il y a un moment donné, là, après, je gagne un point, t'as vu. Donc, attends, j'ai gagné le point? Ouais. Oh, ma première pièce. Première pièce qui apparaît au-dessus de Fred. Grosse victoire, désolé. Je connais pas mon cri, en fait. En vrai, j'ai pas faim. J'ai jamais connu ce personnage, en fait. Pause, on a fait une pause, je viens de manger, en fait. J'ai vraiment plus faim. Yes. J'ai mangé deux desserts. Yes. Et bref, suivante. Yes. Je sais pas si t'as vu le prix de l'essence, là. Oh, moi, en karting, ça me coûte une fortune. Hein. Là. L'essence, là. Les gars, j'ai réussi à redresser le nez, c'est bon, là.
Là, je suis pas mal, là, comme ça. Oh, Lucas. Je suis prêt pour la prochaine épreuve, là. Oh, vous avez pris combien, là, sur le film Mario Bros, là? Bah, là, moi, c'est un contrat sur deux. Vu que carton, j'ai fait un contrat sur deux films. Vous savez qu'on est, mais on coupe au montage. Hein. Moi, c'est un contrat avec Game of Thrones aussi. Je suis un autre dragon de Game of Thrones. Là. Tu sais que toi, là, on ne voit même pas. On ne voit même pas, t'es dans le nouveau je Mario. Coupé au montage. Ouais, t'étais. Ah ouais. Non, il est pas Yoshi. Ouais, pour l'instant, nulle part. J'ai zéro contrat là jusqu'en 2026. Hein. Ah ouais. Mais Bowser, toi, t'as maigri, hein. C'était plus gros, toi. Ouais, c'est vrai. Il était plus gros, franchement, là. Hein. Sur la salle. Sur 64, t'étais beaucoup plus gros sur Nintendo 64. T'étais un gros sac. Parce que je suis le programme de Thibaut InShape. Ah oui. Et ça marche ultra bien. Ah, mais. Tourne-toi. Ah ouais. Ah ouais. Ça a changé, Maison Grise. À la base, on était des amis bienveillants, on faisait des petits jeux. C'est pas Maison Grise ici, c'est le royaume de Mario, ok? Je sais pas si je peux dire, mais les gens sympas, c'est que Inox, il est jamais parti sur son île, c'était ici qu'il a tourné. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie de Avatar 2, la voie de l'eau, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a une partie, tu sais, là, quand ils arrivent là sur la nouvelle île, c'est là-bas, ouais, c'est ce plan-là. PNL, c'est pas la Tour Eiffel. Non, c'est ici. PNL, c'est ici. Épreuve suivante. Oh, ça va toi? Tu veux quoi là? Ton trop d'énergie? Épreuve suivante, on passe un bon moment? On passe un très bon moment. Ouais. Alors, qui a des vies? Enfin, des pièces. Qui a des pièces? Moi j'en ai. Moi j'en ai une, c'est pas beaucoup. Mario, personnage principal, a zéro pièce. Ah ouais, mais c'est normal, tu sais, moi je suis hyper généreux. Ouais, je suis hyper généreux, je donne les pièces aux autres. Et tu t'es entraîné hier soir? Rappelle-toi la dernière fois qu'il s'est entraîné à Azure Park, au basket, la veille. Non, mais ça c'est pas. Non, attends, t'as mis 60 euros. Attends, Pierre, t'as mis combien? T'as mis 60 euros ou 40 euros? Juste ça, que ce soit version courte, version longue, ça en. 60 euros ou 40 euros? Hier, tu t'es fait éliminer à ton jeu, on l'a dit, on n'en parle plus. Et bref, sur toi, ce qu'on appelle des toucites, c'est comme des fléchettes, sauf qu'elles se lancent à plat. Si votre toucite touche une ligne, c'est la partie la plus faible qui compte. On en a trois chacun, celui qui a le plus grand total gagne l'épreuve. Attention, mon Fred. Vas-y, mon Fred. Arrête de chauffer, c'est même un versant un peu sexy. T'arrêtes pas de chauffer. Arrête, on sait que t'es bien galbé en forêt. C'est calme. Ah bah ouais, c'est bien ça. Mais non, mais ça crée impression. Ah, pas mal ça, Fred. Oh dommage, c'est 1. Non, non, non. Ah, c'est 1, t'as touché la ligne, on est d'accord? Franchement. Oh là là, le salaud. 3. Là, je te l'accorde. Là, tu sais quoi, je te l'accorde? Parce que je t'aime bien. Oh, oh, t'es nul. C'est écrit dans Mario Bros. Volume 3, ça. Oh, oh. Final. Allez, bonhomme. Ah, oh, j'aurais dit 5, mais comme vous voulez. 1, clairement. 2. C'est dur, ouais. Non, je te jure que non. Yes. 3, bien joué. Pierre, c'est dur, hein. C'est le max qui a été fait. Ah, ok, on y croit. Oh, c'est fini! C'est fini! C'est fini! Aïe, 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 la première pièce d'or! Oh ouais! Aïe, 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 aïe. Bah, en même temps, c'est le super flash principal. Ah bon, super, les gars, Pierre, il a gagné, voilà. Pierre, il a gagné. Voilà, c'est bon, j'ai le droit. Vous faites les tristes, faites les tristes. Ah, oh là, ça casse les couilles, oh là, ça casse les couilles, oh là, ça casse les couilles. Eh, ça casse les couilles, en vrai. Ça casse les couilles, en vrai. J'ai le zit, là. J'ai le zit. C'est bien. Ah, j'étais bloqué. Hein. Ouais, ah, je m'endormais. Hein. Épreuve suivante. Je pense que c'est ma préf. Ouais, pour ça, j'ai bien aimé ça. Si, j'en ai mis un seul. En vrai, t'as bien joué. Compliqué ouais, ce jeu. Bien joué. Mais là, tu fais quoi là? Ah, tu refumes toi? Non, non, t'es pas arrêté de fumer toi sur Mario Super. J'avais arrêté, bah non, mais à l'époque. Sur 64 là. Tu sais que j'ai arrêté. Qu'on est passé en 3D là. J'ai arrêté de fumer pour Mario Tennis. Bien joué les 120 étoiles sur 64. Beau gosse. Bah, la ref. T'as la ref? T'as la ref? Ah, moment, et, en fait, c'est une rêve, faut être né en 1985 ou 1987. En soufflant cette balle de ping-pong, vous devez arriver dans cette anse jaune. Ça peut être très long, c'est au chrono. Bowser en premier, c'est parti. Allez mon grand. Il fait ça bien, ah bah non, il fait ça très mal. Mais si t'as du souffle... C'est très long quand tu redonnes la rêve. La boule de feu que j'ai dans les jeux vidéo, je te rappelle. J'ai ça dans les jeux vidéo. Ouais, je la rêve. Ah, bien joué. J'ai adoré ce jeu. Oh, il est bon. Oh, y a. Ressors là. Oui. Oh là là. Eh, il fait ça bien. Oh, ça passe! Oh, il est trop fort, hein. Très très correct, hein. C'est compliqué un peu. J'ai quasiment Usain Bolt. Je vais faire en un seul coup, ça s'appelle un all-in-one, running all. Let's go! Ah ouais, d'un coup, ah ouais, direct. J'arrive pas à souffler. C'est vrai que ça fume des cigares, hein. Ça fume des gitans de maïs. Hein. Il est déjà à 20 secondes. Allez! Mais il a pas la technique. Bon bah, Jam Morgan, bravo, je crois. Allez! Allez, c'est très long. En fait, c'est la version. Regarde, il est déjà rentré chez lui. En fait, Fred, c'est la version longue. Oh! Allez. Allez, il le fait! Il le fait! Oui! Allez! Oh, t'es malin, les gars, c'est trop dur! C'est hyper long, mais. Ma vie, c'est de la merde, les gars. Je vous jure, ma vie, c'est de la merde. Attention, Lucas. Et Lucas, il est très très fort là-dessus, Lucas. Non. Tu rigoles ou quoi? Souffle avec ton vrai nez. Non, mais je pense que ça va toucher son vrai nez. Oh non, non, non. Oh la vache! L'odeur de dinosaure. 3, 2, 1, let's go! Oh! Il commence, je vois plus. T'es super agressif. J'ai déjà perdu. Pour un dino, t'es super agressif. Hein.
Non. Ça fait stresser, je vais faire des zooms. Vraiment, je pense que là c'est il a un problème psychomoteur. Attends, je pense même. Pour moi, là, s'il n'y a pas 8 TikTok avec ça. Oh là 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 là, mais Lucas, tu fais exprès. Toc toc toc, salut, ridicule, rentre. C'est bon, j'ai perdu, tu m'as battu, toi. Ah, il abandonne. Ah, c'est dingue, puis il a le jeu mauvais, je trouve. Je pense que ridicule, il l'a pas toqué, hein. Il est là depuis longtemps. Le ridicule. Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai perdu. Chaque fois, les dinosaures, ils font 10 secondes. Ça, c'est bien les dinosaures. Pierre, 10 secondes, c'est chaud. Pierre, il s'est entraîné aussi, on le rappelle. 3, 2, 1. Oh là. Attention, c'est un autre obstacle, ça. Est-ce que vous vous rappelez? Regarde, Pierre, il a fait un coup de trompette. Regarde ses yeux, regardez ses yeux. Il gère bien. Oh non. Oh, il aurait fait, je crois qu'il aurait battu. Hein. Pourquoi je réussis pas comme ça, moi? C'est bien, Pierre. C'est bien, Pierre. Ah, il rigole. T'as pas un avou, Pierre. T'as pas un avou, on l'a tous fait ici. On mangera après les épreuves. Ouais. Oh non, j'ai effondré. Bon, non, tu fais effondré. Pierre, tu aurais pu faire un 5 secondes. Il est soufflé, il transpire. Si on a le droit au menton après tout, pourquoi pas? Ouais, j'ai effondré. J'aurais pu le battre. Tu sais que la pièce d'or, elle a parlé au-dessus de toi, là? Non. Tu sais? Putain, mais comment tu fais? Il y a du montage, non? On a bien fait ou pas, Amazon Grise? Alors, je précise pour ceux qui regardent la version longue, Lucas n'a pas réussi non plus dans la version longue. Bah ouais, tu savais que j'ai perdu en plus de 10 secondes, ça sert à rien d'épuiser mon souffle, quoi. L'oxygène, c'est précieux, les gars. C'est vrai, il a raison, c'est un bon message. Il a pas tort. C'est un bon message pour l'environnement. Épreuve suivante. Nouvelle épreuve, on part peut-être sur 35 minutes d'essai. Le but, c'est évidemment de rebondir sur tous les verres et de le mettre au centre de cet halter. Peu importe si vous la mettez avec le rebond de quelqu'un, l'important c'est que ce soit votre balle et qu'elle rebondisse sur les 4 verres. Okay. Attention, moi je vais réussir du premier coup, mais vous faites ce que vous voulez. Pareil, désolé, désolé. Oh. Si vous cachez pour un micro alors que ça va. En fait, c'est fini pour vous, c'est... Oh là là. C'est bon. Oh non. Ah, j'ai compris, Pierre, c'est comme ça, paix. Merde. En fait, c'est fini pour vous. Non, c'est moi, c'est la mienne. Oh oui, c'est bon, c'est mon destin. Allez, c'est bon. Oh là là, Pierre, c'était pas loin. Oh, oh, Morgan. J'ai failli... Là. Je suis pas passé près, Pierre Cross, hein. Oh. Oh. Non. Oh. Regardez. Là, c'est bon. Oh. Bravo Morgane. Mais j'ai l'impression que c'est la bonne humeur ici qui prime. C'est Mario Bros. On n'est pas des amis à la base. Mais non, t'aimes pas, t'es méchant, justement. Je suis grave content d'avoir gagné. C'est grave plaisant. Et épreuve suivante. T'es stressé? Ouais. Je trouve ça, c'est parce que je gagne pas le prochain. Mais c'est parce que, en fait, t'as le statut de leader. Tu sais que c'est toujours dur d'avoir le statut de leader, je trouve. J'ai 7 étoiles. Il reste. Merde, t'as fait des pièces d'or. J'ai 7 pièces d'or, il reste 4 épreuves. Un resto, c'est combien de pièces d'or après si tu les. Mais c'est ta prod qui paye. Pas me faire chier. Moi, je les garde, mes pièces d'or, je vais les investir, je vais les mettre dans un compte exprès. C'est malade, tu penses, en fait, tu penses à l'avenir, toi. Je vais investir dans l'immobilier. T'as pas déjà des châteaux et tout? Je suis très bien financièrement. Est-ce que pour toi, il reste la meilleure épreuve? On a fait les meilleurs trucs. Il y a un truc très drôle qui arrive. Là, le prochain? Ce qui est sur les tables, là. Épreuve suivante, elle est très stylée, attention. Quiz bon. Non, est très stylée. Là, c'est un montage que vous voyez, parce que les petits visages que vous voyez en dessous de nous à l'écran sont en vrai en face de nous. Mais non. Si. Mais comment t'as fait ça, Pierre? C'est un montage, après. D'où t'es venu, c'est vrai, ça, c'est une épreuve de ma partie, en vrai. Je vous explique, le principe du jeu, c'est qu'on va envoyer ces pièces sur le visage de Mario. Celui qui se rapproche le plus du vrai visage de Mario à la fin gagne l'épreuve. Attends, bouge pas, j'imprime le visage déjà. Okay. Ouais, c'est bon, je vais. Il va avoir des têtes drôles, hein, quand même. Ouais, c'est trop drôle. Genre, t'imagines, genre, il y a un nez au milieu de l'œil. Il y a un nez au milieu du front, comme le chien. Oh, et calmez-vous, c'est pas cool en vrai. Rigole. Calmez-vous, c'est bon. 3, 2, 1. Oh, oui, je suis bien. Oh non, oh, Morgane. C'est pire. Oh, Morgane, pas bien. On fait quoi? On fait moustache? Ah, là, il y a petite moustache, hein. Elle est dans le sens ou quoi? Ah, oui, comme ça. Ah, oui, c'est comme ça. Parce qu'en fait, moi, je vois jamais. C'est fou, mais moi, je vois jamais ma moustache, en fait. Attends, mais tu sais, c'est exactement la même. C'est incroyable. 3, 2, 1, moustache. Ok. Oh non, c'est. Vous ratez ça. Et t'as bourraté. Bourrata. Et on va Marco Verratti. Rien à voir. Oh là là. 3, 2, 1, let's go. Oui, oh, je suis bien. Ça marche, moi aussi. Oh, je suis bien. C'est pire, hein. Bah, moi, après, au niveau du nez. Hein. Tu la vois là, la moustache? Tu la vois là, la moustache, en vrai? Bah, là, par rapport à mon nez. Peut-être qu'on fait comme on peut, peut-être aussi. Je crois que ça vous amuse. C'est ça ton charisme? On s'aiguille du Kinise. Hein? Non, si moi j'ai compris. On fait un œil. Allez, on fait un œil. On fait un œil pour voir, et là, je commence par cet œil-là. 3, 2, 1, Lucas. Et on y est. Œil. Yes! C'est moi. Oh, les gars! C'est moi. Ouais, c'est. On va dire. Ah, quoi, non, c'est Morgane en vrai. Bon, pour l'instant, celui qui ressemble le plus au visage, c'est moi, là. Après, il peut peut-être avoir qu'un œil, celui de Pierre. Bah, moi, là, c'est œil pour œil, donc pendant. Hey, on fait l'autre œil, Pierre? On fait l'autre œil. Oui, et suivant. Parfait. Oh!
Oh, direct. Oh non. Ah ouais, c'est Morgane, hein. Attention. C'est quoi, mais on fait la bouche. Dernière pièce, la bouche. Ah, Lucas, c'est pas fini, tu peux le faire. Notamment, allez. Ah, Pierre, il est pas mal. Ah, gros victoire, c'est Pierre qui ressemble. Gros victoire. Allez. Pierre, bonne. Et là, je commence à engranger des étoiles, hein. Non, 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 faut qu'on soit énervé, nous. Et deuxième pièce d'or, là. Deuxième pièce d'or, là. Clairement, victoire. Je vais faire de la hagra en ce moment. Here we go. Here we go. Here we go. Je mets des patates. Moi, tu sais quoi? Je trouve que même quand des fois on a des petites animosités entre nous parce que vous êtes les méchants, moi je trouve que des fois vous êtes cool. C'est vrai, tu les aimes bien? Ouais. T'es très aimant, du coup. Oh. Franchement. Ah ouais. Franchement, ah ouais. Franchement, je m'incline. Franchement, je m'incline. Ah ouais. Épreuve suivante. Épreuve suivante. Mais non. Si, je vous jure. Et ça s'enchaîne super vite. Attends, on est à la 15e minute vu que c'est 16 minutes en 7 jeux. Le principe est très simple. On va envoyer chacun notre tour un cintre. Si vous arrivez à l'accrocher sur ce fil en face de vous, le ballon va descendre et péter. Yoshi, à toi. Chacun son tour. Ouf. Non. Ouf. Attends, moi je fais ça. Oh. Mais quoi? C'est terrible, je veux. Toi, il a réussi. Mettez-moi à la pièce. Mettez-moi à la pièce. On est trop loin. Eh, je suis enceinte. Je suis enceinte. C'est ça, il a fait un trichot. Attends, il a trop bien fait. Qui veut l'épine? Oh, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, épreuve suivante. Épreuve suivante, messieurs, je suis allé voir des jeux d'enfants dans les écoles en Chine. Ah, trop bien, j'ai un avantage. Je me suis perdu sur YouTube pour trouver ce jeu. Et d'ailleurs, il y a un jeu un peu comme ça dans 100% physique. Ouais, dans 100% physique, là, il y a un jeu comme ça. Ok, bon, on n'a rien inventé. Attention, dernière épreuve, le premier qui atteint sa goutte gagne. C'est parti. Oh, let's go. Non. Lucas, mais là, je pense que Morgane il m'a aidé, c'est pas possible de taper. En fait, c'est que j'étais obligé. En fait, je t'explique, Fred allait gagner, donc je me suis mis de ton côté pour tirer Fred. Ah, oh, bâtard. Ouais, c'est ça. Je savais pas que j'allais. J'étais proche, moi. Je me suis dit d'un coup, c'était plus simple. Même moi, là-bas, je suis un dragon, les gars, je suis fort. Ah, c'est pour ça. Yoshi, il carry Mario tout le jeu. Hein. Bah, en général, c'est moi qui l'aide. Il y a des bonnes cuisses, hein. Je le porte sur les bonnes cuisses. C'est pas mal. En tout cas, pour l'instant, tu gagnes, toi. T'arrêtes pas, va mâcher. Merci à tous d'avoir regardé cette version longue. On a pris notre temps. Merci à toi, Mario, Pierre. On a pris du temps, on a pris du temps. C'est bien la version longue. Voilà, j'espère que le concept de version courte, version longue a plu aux gens. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé ce plateau. C'était incroyable. C'est magnifique. C'était bien plus long que ce qu'on pense. Ça a mis des semaines et des semaines à penser à tout ça. C'est incroyable. Et à réaliser quelques jours. Bravo à eux. Franchement, moi j'applaudis. Bravo, vous savez quoi, J'enlève même mes gants pour que ça fasse plus de bruit. De toute façon, on est rien sans des techniciens, on est rien. C'est tout? Ouais. D'accord, il y a pas d'oral. D'accord. Ciao, ciao. Here we go. J'ai perdu. Yes. Victoire. Stop, on arrête, c'est ridicule. On a 30 ans, sauf toi, frère. C'est une catastrophe. Ah ouais, déjà même, bien sûr. Ça commence à pousser. J'ai sauvé 36, moi. Ciao. Mamma mia. Ciao.